Samedi 28 octobre 2023, Mado Joanet a posté une nouvelle photo sur son compte Instagram. La fille de Thomas Joanet se dévoile avec sa sœur Issée et sa demi-sœur Chloé. La ressemblance entre les deux plus grandes est incroyable. Une famille très unie. Chloé Joanet, la fille d'Alexandra Lamy et de Thomas Joanet, est une actrice émérite. Une passion que Chloé Joanet partage d'ailleurs avec sa mère et sa tante, Audrey Lamy. D'ailleurs, Chloé Joanet s'est déjà retrouvée sur le même plateau que sa mère. C'était le cas pour Toucher. Alexandra Lamy, pour la première fois derrière la caméra, avait demandé à sa fille de jouer le rôle de Tamara. Une interprétation très difficile à réaliser pour l'actrice qui devait alors se glisser dans la peau d'une jeune victime d'inceste. Une autre fois, Chloé Joanet avait participé à un tournage avec sa mère, et cette fois-ci également sa tante. Toutes les trois étaient à l'affiche d'une série diffusée sur Amazon Prime, Killer Coaster. Jouer toutes les trois, ça, c'était un rêve inimaginable. Cela faisait des années que l'on cherchait un projet original. C'est Chloé qui a été le détonateur. Elle nous a embarqués dans l'univers génial de Killer Coaster, avait révélé Alexandra Lamy dans Télé 7 jours. Chloé Joanet est également l'heureuse demi-sœur de Mado et Issée Joanet, fille de son père Thomas Joanet et d'Armel Deutsch. Des demi-sœurs desquelles Chloé Joanet est très proche. Il faut dire que Mado est également passionnée de comédie. Les deux jeunes femmes se donnent la réplique dans Derby Girl. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la comparaison est vite faite entre les deux actrices. Quelle ressemblance et pour cause, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ce samedi 28 octobre 2023, Mado Joanet a posté un nouveau cliché sur son compte Instagram sur lequel on peut voir une nouvelle fois que sa demi-sœur est son sosie. Elles prennent également la pose avec la petite Issée, qui fait la moue. Incroyable cette frange Mado, commente une internaute. Quelle ressemblance, pointe du doigt une autre internaute. La beauté en héritage, en somme.